Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flash News sur Dragon Ball Legends. Ce matin, sur les réseaux, on a eu le teasing d'un nouveau personnage qui arrive et je pense que c'est un personnage qui va hyper pas mal de monde. Bon, je vous fais la petite vidéo au cas où certains veulent économiser déjà pour les 1 an ou pour le portail de Metal Cooler et Broly, vu qu'on sait qu'il y a un portail avec Metal Cooler et Broly qui arrive, mais on ne sait pas quand exactement. Donc, on a eu le teasing sur le Twitter officiel du jeu. Alors je vous mets bien sûr un petit screen du Twitter tout simplement qui annonce l'arrivée de Gotenks SSJ3 sur le jeu. Alors bon, ils le disent pas clairement, mais il y a plusieurs indices. Bon, déjà il y a un 3 sur l'image pour Gotenks SSJ3. Ensuite on voit qu'il y a une espèce de balle juste à côté du 3 et c'est justement la balle de Gotenks SSJ3, la balle qu'il utilise quand il fait sa petite attaque, etc. Donc déjà, eh bien, ça fait deux indices qui concordent avec lui. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, hein, je tiens simplement à le dire, mais il arrive très prochainement. Alors j'aurais tendance à dire qu'il n'arrive pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Mais je veux pas m'avancer trop vite parce que c'est vrai qu'un teasing d'une semaine, ça m'a l'air long. Donc si jamais vous voulez garder des cristaux pour lui ou autre, eh bien, c'est le moment de le faire tout simplement. N'invoquez plus sur le portail Weifu, etc. Et gardez vos cristaux. Alors, c'est pas tout, parce que en fait, le jeu a dépassé les 300 000 utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et du coup, eh bien, on va recevoir 300 cristaux sur une période de 3 jours du 22 au 29. Donc, si vous vous connectez du 22 au 29, vous aurez 300 cristaux en tout sur la période. Il faut se connecter le 22, le 23, le 24 si vous voulez les avoir les premiers jours à chaque fois, mais on va choper 300 cristaux, donc voilà, c'est déjà pas mal. On ne sait pas du coup quand est-ce que ça arrive, je le rappelle, mais cette semaine, semaine prochaine ou quelque chose comme ça, en tout cas maximum je pense que ça devrait arriver. Et du coup, bah, n'hésitez pas à me dire si vous allez invoquer ou pas, parce que Gotenks SSJ3 c'est un personnage qui hype, mais je sais que certains sont hypés par Metal Cooler, certains sont hypés par le Broly. Donc il va falloir se décider un petit peu. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!